Allez, 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 tous les enfants. Ici le sage conseiller, hein. Figaro. Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. Ok? Bonjour, chers apprenants. Je suis Madame Ouattété, enseignante en classe de CP1. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon sur la formation des syllabes avec la lettre sens. À la fin de la leçon, tu dois être capable d'écrire ou de lire la lettre sens à partir des explications données par la maîtresse. Avant de commencer, nous allons vérifier tes compétences. Nous allons lire A, U, E, O, E, en, 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 ou, bas, tu, là, temps, là, tout. Nous sommes en train d'étudier la lettre sans ce. Je vais écrire ce au tableau. Ce. Ce. On va lire ce. Ce. On lit encore ce. Ce. À travers la lettre sans, nous allons former des syllabes. On va commencer avec la lettre ce en cursive. J'ai écrit ce. Et A me donne la syllabe sa. Se et U me donne la syllabe su. Se et E me donne la syllabe se. Se et O me donne la syllabe so. Se et en me donne la syllabe sans. Ce et en me donne la syllabe sans. Ce et en me donne la syllabe sans. Ce et ou me donne la syllabe sous. Nous passons à l'écriture script. Nous prenons la deuxième lettre sans ce en script. J'écris ce, je prends ce. Et A me donne ça. Ce. Et U me donne su. Ce. Et E me donne ce. Ce. Et O me donne so. Ce. Et en me donne sans. Ce. Et en me donne sans. Ce. Et on me donne sans. Ce. Et où me donne sous. Très bien, nous allons les lire ensemble. Ce et A, ça. Lisons ensemble. Ce et A, ça. Ce et U, su. Ce et U, su. Ce et E, ce. Ce et E, ce. Ce et O, so. Ce et O, so. Ce et en, sans. 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 Ce et où, sous. Ce et où, sous. C'est la même chose en script. Nous allons lire ensemble. Ce, nous allons lire les syllabes formées. Ça, su, ce, so, son. Son, son, sous. Très bien. Toi à la maison,
tu entoures la syllabe su. Je t'accorde quelques secondes. Entoure la syllabe su. Bien, si tu as trouvé, bravo. Si tu n'as pas trouvé, voici la syllabe su. On avance. Entoure la syllabe so. Entoure la syllabe so. Bien, si tu as trouvé, bravo. Si tu n'as pas trouvé, voici la syllabe so. Très bien, on continue. Entoure la syllabe son. Entoure la syllabe son. Si tu as trouvé, bravo. Et si tu n'as pas trouvé, voici la syllabe son. Très bien. Nous venons d'entourer les syllabes formées. Lis les syllabes avec la maîtresse. Su, so, son. On reprend. Su, so, son. À la maison, tu écris la syllabe sa. Sur ton ardoise à la maison, tu écris la syllabe sa. C'est bien. Bravo si tu as trouvé la syllabe sa. Voici la syllabe sa. Très bien. Très bien. Voici la syllabe sa. Sur ton ardoise, tu écris la syllabe se. Sur ton ardoise, tu écris la syllabe se. Très bien, voici la syllabe se. La syllabe se. Très bien. Sur ton ardoise, tu écris la syllabe sous. Sur ton ardoise, tu écris la syllabe sous. Très bien, voici la syllabe sous. Très bien, cher apprenant, notre leçon portant sur la formation des syllabes est terminée. Prochainement, nous allons voir la leçon sur la formation des mots. À très bientôt, au revoir. Tout le monde avec moi. Il faut aller à l'école.